Hey, salut tout le monde, c'est Atomania et on se retrouve aujourd'hui pour mon let's play de Pokémon Saphir Alpha. Donc la dernière fois, on avait capturé Itran et Fulguris avec une Pokéball. Donc là, dans cet épisode, nous allons capturer Zekrom. Donc pour la seule condition pour rencontrer Zekrom, c'est d'avoir un Pokémon niveau 100 dans son équipe. Donc vous allez me dire, mais Atomania, comment tu vas faire pour capturer Zekrom vu que tu n'as pas de Pokémon niveau 100 dans ton équipe? Ben c'est simple, j'ai importé et mon Arena Stock qui est level 100. Ah, c'est dans l'écran tactile, mais il est au niveau 100. Et je peux peut-être vous montrer. L'écran tactile, voilà. Arena Stock level 100. Voilà. Donc il faut aussi que je soigne mes Pokémon parce que là ils ont bien souffert parce que je suis en train d'entraîner ma boîte de combat jusqu'au level 100. Mais je n'avais pas envie de vous la montrer, je suis comme ça, je suis méchant. Voilà. Et donc aussi on va s'envoler à la Mandia à dos de Latias. Donc on va utiliser ces deux flûtes et vous. Et oui, j'ai les deux bicyclettes. Atomania utilise la Flutéon. Alors normalement, vous s'envolez vers le sud de Lavandia pour trouver un mirage nommé la grotte évanescente. Donc elle est où? Ça c'est pas le centre météo. Non, c'est Lavandia. Et là-bas il y a un truc. Ça c'est quoi? 716 Merouville. Île Mirage. Mais c'est pas l'île de Cresselia plutôt? Je crois. Donc bah pour Zekrom ça sera plus tard peut-être. On va voir. Je suis pas sûr que ce soit pour Cresselia. Ah. Un aéromite. Qui m'intéresse pas vraiment. Là, je serais mieux de mettre des repousses. Celui-là, je fais grand rencontrer que des aéromites. Donc bien sûr je referai après, mais bon tant pis, ça nous fera une petite halte sur l'île Mirage, hein. Alors les verrous, c'est peut-être, ah yes, je l'avais pas vu, c'est pour ça. La grotte évanescente, voilà, pour capturer Zekrom. Ouais, on savait pas trop, on a gaspillé presque 4 minutes d'enregistrement. Donc là on rentre, vous ressentez tout à coup une forte pression, il y a de l'électricité dans l'air. Regardez, qu'est ce que c'est? C'est une sauvegarde? Non, c'est un cercle. Un cercle mystérieux flotte dans l'air. Une forme semble apparaître de l'autre côté. Voulez-vous l'examiner de plus près? Bah ouais. Et là, on a fait apparaître un Zekrom. Merci Pokébip. Et fauchage. Ah, c'est pas mieux des fauchages? Ah ça va, c'est heureusement qu'il est level 72. Hein. Il fait un petit coup critique au moins. Tranche. Oula, il va être fort celui-là.
Draco souffle, là il peut me paralyser en plus. C'est bon. J'utilise fauchage. Voilà. Donc j'utilise Draco souffle. C'est super. Et Love, c'est à toi. Et berceuse. La petite ruse de la berceuse. C'est bon, il s'est endormi. Et sac, ball. Ah, on va peut-être tenter la Pokéball. Et s'il te plaît, tu rentres. Non, on ne parle une seule fois. Ah, il se réveille. Déjà. Et toi, tu fais berceuse. C'est bon, il s'est endormi. C'est cool. On va peut-être pas lui tenter à la Pokéball. Mais peut-être à la Hyperball. Allez, s'il te plaît, tu rentres. Tu rentres. Hein? Non, ça remue une fois. S'il te plaît. Allez, hop. Non, ça n'a pas remué une fois. Il se réveille. Oula. Ça va, ça me fait pas trop mal. Je fais berceuse. Allez, s'il te plaît, sois capturé. Et ball. Hyper ball. Allez, s'il te plaît. Oh, non. C'est bon, il dort profondément. Pokéball. Allez, s'il te plaît, tu vas capturer. Hein. Ah, dommage, elle a remis une fois. Mais c'est bon, il continue à dormir, c'est cool. Un. Deux. Ah. Dommage. Il se réveille, petit coup de boule. Ça passe. Et les berceuses. Eh. Il a même pas raté ses berceuses. Ça c'est bien. C'est bien ça, Love. Les boules, Pokéball. Et s'il te plaît, sois capturé. Hein. Ah dommage, elle a remis une fois. C'est bon, il dort profondément. Et s'il te plaît, sois capturé. 1, 2, 3. J'ai cru. C'est bon, il dort encore. Alors, on peut peut-être le tenter à la Pokéball. Allez. Un. Ah dommage. Ah il se réveille. On peut peut-être le tenter comme ça. Ah il est paralysé. Ouais. Ouais moi je me fais des petits défis comme ça. Je capture des légendaires à la Pokéball. Ah. Ah faut que ça me passe. Non, ça passe pas. Ça n'a pas passé. Irina Stock. T'es level 100 quand même. Tu dois retenir. Allez. Allez, s'il te plaît, sois capturé.
Dragosouffle. Oh, ça va. Ah, il a plus, il est paralysé. Il a quand même le paralysé. Allez. Un. Ah, ça a remis une fois. Ah bah dommage, ça ne m'affecte pas. Allez, s'il te plaît, se capturer. Dragosouffle. On va finir par le mener à la lutte, c'est pas possible. S'il te plaît, se capturer. J'ai peut-être appelé l'œuvre. À son statut, j'ai beaucoup de rappels, j'ai 66 rappels, c'est cool. Et Love, à toi. Là, je vais peut-être te soigner aussi. Potion max, c'est bon. Éclair croix, mais j'espère qu'il me fasse encore des éclairs croix. Ça va me faire mal. Ça va me faire mal. C'est son attaque la plus puissante. Son attaque signature. Waouh. Magnifique l'animation des cartes, quoi. Je voulais endormir. Et berceuse. Non. Pourquoi tu restes là maintenant? Tu ne dois pas rater. Mais non. Rate pas. Rate pas, s'il te plaît. Et ne sois pas paralysé non plus. Hein? Allez. Petit coup de boule. Mais non, t'as pas la trouille. Les guérisons. Voilà. Franchement, là... Love, tu me déçois. Non, c'était pas dans PVPP, berceuse. Voilà. On va peut-être pas le tenter d'aller à la Pokéball. On va essayer une Chronoball. Bon, comme ça, la Chronoball. Hein. Ah. C'est bon, il dort encore. Dommage, en plus elle était à 1. Elle a fait un remuement. 1. 2. T'as encore, s'il te plaît? Yes. Allez. Allez, s'il te plaît. 1. 2, 3, yes, capturer Zekrom. Donc là, bah, du coup, on va peut-être aller dans ce petit mirage, dès maintenant. 13 minutes, allez, ça suffira largement. Allez, on se retrouve tout à l'heure.